ان الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد avant de reprendre la série de cours des deux livres qu'on fait d'habitude qui sont le mardi soir, euh, le, Faites par Cher Obed El Jabiri Et le samedi, qui est la description de la prière du Prophète de Al-Albani faites par explication faite par Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul, Hafidahullah. Bien avant de reprendre ça et après avoir fini la série de cours sur les événements de Cheikh Mohamed Ben Hadil Madkhali, j'ai voulu faire profiter euh, mes frères et sœurs d'un cours en fait que j'ai préparé. En vérité, c'est une de que j'avais préparé il y a deux semaines. Euh, dans une ville en Angleterre, on m'a demandé de faire une khotbah de Jumu'ah à la Koulihal. Et euh, cette khotbah, elle a pour titre la prison du croyant. C'est une khotbah à la base de Sheikh al-Dammari du Yémen, que j'ai adapté ici évidemment pour euh, l'Angleterre. À la Koulihal, je voulais vous la lire et vous en faire profiter. Je voulais en faire profiter donc nos frères et nos sœurs francophones. Euh, donc le Sheikh, il commence en disant, Allahu ta'ala, c'est un Sheikh qui est contemporain, qui est encore vivant, qu'on appelle.

alors que beaucoup de gens sont insouciants à comme salam sont insouciants quant à cette, quant à cette, quant à cette obligation et il dit al Aswaku muzdahimaton bil ghafilin wa ash-shawari'u muzdahimaton wal muwafaqu man subhanahu wa ta'ala donc cheikh hafizahou Allah ta'ala qu'est-ce qu'il dit il dit que les marchés sont remplis d'insouciants les rues sont remplies d'insouciants ا هو الذي اكي الله عز وجل الافاسيلهه التوفيق ايبيا او بريطو الذي يا له توفيق ها ك كي 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 سالي اتي اكي الله ا فاسيليته اكي الله ادهن التوفيق قال لي الشيخ والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى جاء في صحيح امام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن Et c'est ça, donc, le titre du cours aujourd'hui. Il commence par un hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam musulman, d'après un hadith de Abu Hurairah, qui dit Le messager d'Allah a dit La dunya se bat, monde. La dunya, Sijnul Mu'min, est la prison du croyant. Et le paradis du mécréant. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حالة المؤمن في الدنيا ويبين صلى الله عليه وعلى وسلم الفرق بين الدنيا والجنة بالنسبة للمؤمن et ça c'est quelque chose de très important hein, parce que des fois on vit sur cette terre et on oublie ce genre de choses là ces notions importantes hein, que chaque musulman, chaque musulmane, chaque croyant chaque croyant doit garder hein, devant ses yeux et qu'il ne doit pas oublier il dit Dans ce hadith, et c'est quoi le hadith ici, il fait référence au hadith qui dit, dans la traduction du sens dit, et bien que quoi, que la dunya, ce bas monde, c'est quoi La prison du croyant et le paradis du kafir, du mécréant. Il dit par propos de ce hadith que le prophète a mis en évidence dans ce hadith, a clarifié la situation du croyant dans ce bas monde. Ha'la t'el بالنسبة للمؤمن. Et il met en, met en évidence dans ce hadith le prophète salam la différence quant à, au bas monde et à la, au paradis, entre le bas monde et le paradis, en ce qui concerne le croyant. D'accord Il dit le cher que le croyant est en prison.

Il dit quoi, le cher, cette superbe parole Il dit, hein? qu'on ouvre les cœurs et que ce soit rappel pour nous tous. Il dit que le croyant est en prison dans ce bas-monde. Hmm? D'une prison matérielle et une prison immatérielle. Et il explique. Il dit, il est en prison, il est emprisonné, monsieur. La prison immatérielle Car le croyant dans ce bas-monde A mis en prison A emprisonné son regard Et il a emprisonné Il a mis en prison Ses mains Et il a mis en prison ses oreilles Et il a mis en prison Ses pieds Et il a mis en prison sa langue salam ils a mis en prison, ces, ces membres du corps, de quoi Par rapport à quoi Eh bien, ils les ont mis en prison afin de les protéger, ou si vous voulez, de les éloigner de ce qu'Allah a interdit, subhanahu wa ta'ala. Il lui est donc interdit de toucher quoi que ce soit, de prendre quoi que ce soit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a interdit. ولهذا أنت مطالب أن تحب أن تحبس لسانك وأن تسجنه إلا فيما أحل الله لك. Et c'est pour cette raison-là qu'il te demandait, il était obligatoire de retenir ta langue, de l'emprisonner. Hein? Sauf dans ce quoi ou ce pourquoi Allah a autorisé. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه ومن حديث أبي جحيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت Donc qu'est-ce qu'on a dit ici C'est qu'il a été rapporté dans les deux authentiques, Al-Bukhari ou Al-Muslim, fasse miséricorde à tous et à tous les imams de la Sunna, دا حديث ابو هريره رضي الله عنه حديث ده ابو جحيبه رضي الله عنه كذلك كو لو صلى الله عليه وسلم ادي كيكونك كروى ان الله اي وجور ديرنيي كيل ديز ان بيا وكيل سو تاز فهذا اللسان يحتاج الى طول سجن الا من الخير فهو مسجون بسجن الله ايكوتي بيا سيت بغلو كيدي الشيخ يسير يدي Cette langue, hein, qui bouge beaucoup, hein, et on demande à Allah qu'elle fasse, qu'elle qu bouge dans le bien, et pour le bien, et uniquement pour le bien. Il dit, subhanu, il dit, le chef Allah Ta'ala, il dit, cette langue a besoin d'être emprisonnée pour une longue durée, pour le signe. Hein, si vous voulez la perpétuité.

وجوارحك جوارحك اليه سجن اعضائك وجوارحك اليه دو كاسكو إيه؟ إيه؟ اختياري اختياري سك الله عز وجل الشيخ إيه؟ اسند بعد ان ارشدك الى الخير الى ليي Après qu'il guidé mis aussi en garde contre le mal qui il a lié la prison le fait que tes membres soient emprisonnés que tes membres du corps sont emprisonnés à lui subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت معنى هذا ان تمسك على لسانك الا اذا تحقق لك ان الكلام الذي ستتكلم به يفيدك في الدنيا او في الاخره فانطق به اما <applause> اذا كان يضرك فلا واذا استوى الكلام مع السكوت فالسكوت احسن اذا كان الكلام لا فائده فيه كاسكو اللي شيخ يديني غاكل باغابوغ لانغ اي كومون اون بريزونيت نوتر لانغ سوف دون لو بيان حفظه الله تعالى أن المساجد الله صلى الله عليه وسلم دي كيكونك خوا ان الله وجور ديرنيي Qu'ils disent un bien ou qu'il se taisent. Et le sens de cela, c'est que tu tiennes ta langue à khifillah. Si Que tu tiennes ta langue à ortifil Sauf si tu es sûr, il Tu es sûr, hein, certain, que ce que tu vas dire, al kalamu ladi bihi, fit dunya. Que la parole que tu vas dire, que ce que tu vas dire, eh bien, te bénéficie, t'apporte un bénéfice dans cette, dans ce bâmon, dans cette dunya. Ou dans le dans l'au-delà. Alors à ce moment-là, il dit là. Tandis que ça, ça te cause un mal, eh bien non. Garde ta parole pour toi, tais-toi. Wa ida stawa. Regardez les requins de le ici. Et on va les résumer après, incha'Allah. Il dit le chier. Wa ida wa Qu'est-ce qu'il a dit le chier en arabe Il a Ahsan. Elle dit maintenant, si les deux sont équivalents, le fait de parler, le fait de se taire, qu'est-ce que tu fais

أركان الإسلام وأخبره بطرق الخير وأخبره برأس الإسلام وعموده وذروة سنامه بعد ذلك قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ لو صلى الله عليه وسلم إلدي و نوبل كومبانيون معاذ بن جبل، ونجا باغل تي بو ان ريزيمي رضي الله عنه وأرضاه، سيت مانيفيك بيوغرافي دو سو نوبل كومبانيون رضي الله عنه وأرضاه. إلى نوت نوطوغيوتريج با، نوطخو موطخريج با. كي سكي فا تامني كي داير الشيخ العثيمين شرح الاربعه النوويه سكو سا سا حديث كيتيري دي ها اون باغتي دالحديث الحديث، سا حديث سكو تخوف دالحديث دالاحاديث دالامام نووي رحمه الله سيجمتخون باس الحديث نيغو فانت نوف. الى ادي الا ادلك على ملاك ذلك كله. الشيخ العثيمين دار ليكسبيكاسيون ديال الاربعه النوويه نبيش با تو مونتخي سكي فا تامني ان حتى تملك ذلك كله. Quelque chose qui va t'aider à posséder tout cela. Quand il a dit ça, le prophète a Après qu'il lui ait montré les piliers de l'islam et qu'il lui ait informé des voies du bien et qu'il lui a informé de l'islam. Comme il dit, c'est quoi l'islam C'est la raison, la tête, si vous voulez littéralement, la chose la plus importante de l'islam, la base, la tête. Et eh bien, c'est quoi Il a dit, c'est. Ce pourquoi tu as été créé, c'est d'adore Allah Azzawajal et de ne à lui subhanahu wa Ta'ala. Wa Amoudou est son pilier. Wa Darwatu Sanami est le sommet, si vous voulez. Hein? Et dans le Hadith, pour les frères qui mourissent, c'est quoi Darwatu Sanami? Al-Jihad, Sabi, Lazak, Lah, Kheran, Ahsan. Allah, Adul, bah, le ala Allah, Adul, Ka, Allah, Mila, Ki, Dalika, Kuli. Je t'indiquerai-je pas quelque chose qui va te faire posséder tout cela? Qui va t'amener à posséder tout cela, à entrer en possession de tout cela, il dit Allez, salut salam. Ou plutôt le sahabi, Al-Jalil, Al Mohamed ibn Jabal, il dit Allez, salut au salam. messager d'Allah, hein? C'est-à-dire que les compagnons sont hein, toujours là pour le khéir, pour apprendre le khair, Le prophète a tenu sa propre langue. Allez, salut salam. وقال كف عنك هذا ها غتيان سا غتيان سيت فقال معاذ رضي الله عنه او انا لمؤاخذون يا رسول الله بنا بما نطقت به السنتنا قال ان بغول فخت شي زغاب فكلتك امك نوفر كيسك سا ان شاء الله ليترالمون كتا تو نو فاك سي بارسونس ظاهر كيف وليسي كون اللي شيخ رحمه الله. وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم في النار يوم القيامه الا حصائد السنتهم؟ دو كيسكو البروفيت صلى الله عليه وسلم اللي يدي كف نا... كف عنك هذا تيان سلا سيت لونغ معاذ رضي الله عنه اللي يدي سوغونو او مساجد الله ها؟ tenu, hein, il sera tenu pour compte ce que dit notre langue. Hein? Le prophète Sassou, a dit cette parole forte chez les Arabes, il a dit, qui lui dit que littéralement, hein, il y a Fourkan, c'est-à-dire que la perte, que ta mère te perde, te perde. Sur l'automne, il ce n'est pas le sens voulu, ce n'est pas le sens vaher. Ce n'est pas le sens apparent, ça ne veut pas, pas dire littéralement que ta mère te perde. Les Arabes, disent ça, mais elle C'est quoi C'est une incitation. C'est important ce qu'il se dit ici. Ce n'est pas littéralement que ta mère te perde. C'est hmm ala a dit ala moque ne va jeter hein, les gens sur leur ventre ou sur leur nez, comme l'a dit le prophète, en enfer le jour du jugement dernier, que ce que leur langue a récolté. Et iman ô toi frère dans la foi, ô oh, toi frère croyant, ce que il voulu de toi, ce qu'il te convient de faire, ce qu'il t'est obligatoire de faire, hein et bien ce que tu en présentes ta langue, sauf pour le bien. Hein? Et subhanallah, combien de fois nous-mêmes, combien de fois on dit des choses, subhanallah hein Ça, c'est une c'est pour ça que j'ai voulu me faire profiter moi en premier, parce que j'en ai besoin, et faire profiter mes frères soeurs en Allah Azza wa الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا من مغزي الحديث كلكم من صمت نجا تخومو se... من صمت نجا ها الصمت في كونسي الصمت ان غاب لو دو سو صمت ها يصمت صمتا دو دو سو من صمت سي كوا لا نجا celui qui se tait

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم شيخ دي اي انسي اي egalement et de meme ce qu'il est voulu de toi ce qui est demandé de toi ce que tu en présentes ton regard de quoi que tu en présentes ton regard regardez côté en arabe les frères qui font l'arabe ils comprennent mieux ça hein ان تحبس بصرك الا فيما شرع الله Oh, Regardez la précision du chèque ici. Chèque, il dit, Allah, ce qu'il voulait de toi, c'est que tu emprisonnes ton regard. Sauf. Comprenez ça? présente ton regard. Sauf. Exception. Hein? Sauf. Uniquement pour ça. Et si ce n'est en arabe. À l'exception faite de quoi? De ce que Allah a légiféré ou ce que Allah a rendu licite. Ah, comme ou ce que Allah a rendu licite Donc ce que Allah a légiféré, tu regardes Ce que Allah t'a rendu licite pour toi de regarder Tu le regardes, sinon tu t'abstiens de regarder Tu l'emprisonnes présentes ton regard Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu ta'ala Rabbul alamin Subhanahu ta'ala Il dit dans son noble livre, le Coran Et dit aux croyants Qu'ils baissent leur regard Et qu'ils préservent leur sexe Cela est certes plus pur pour eux فأنت مطالب أن تحبس بصرك عن الحرام وأن تجن بصرك عن الحرام أنت مأمور بهذا ولو, أرسل ولو أرسلت بصرك إلى الحرام كنت مؤاخذا بذلك Ce qui est donc voulu de toi, ce qu'il t'a demandé, c'est que tu tiennes, hein, t'habis, l'habs, sigle, quand tu es en prison, tu tiennes ton regard de ce qui est interdit. Que tu tiens, tu en présentes ton regard de ce qui est illicite. Tu es, ce site est obligatoire. Ce site a été ordonné. Et si tu laisses ton regard, hein, Si tu laisses littéralement, si tu envoies ton regard vers ce qui est haram, vers ce qui est illicite, tu seras quoi? Tu devras rendre des comptes. Elle il parle avec Delil. جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله العينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه يدرس حديث كليغ Il a été rapporté dans les deux authentiques, le Bukhari et le musulman. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu Arda, qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a été prescrit à chaque fils d'Adam sa portion de zina de fornication. Tu ne peux pas y échapper, la mahala. Al-Ainan, traduction littérale du sens. Al-Ainan, zinahum al nazar. C'est quoi la zina des deux yeux, c'est quoi Le regard. La fornication des yeux, c'est le regard. La fornication des oreilles, c'est d'écouter. La fornication des mains, c'est de toucher. La fornication des pieds, c'est de marcher. Là est le cœur, espère, désire, mais rend cela véridique ou mensonger le sexe. Hmm فانظر انت محاسب بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النظر نوعا من الزنا فالنظر زنا العينين ولذلك اذا اطلقت لبصرك العنان ولم تبال ان تنظر الى النساء الاجنبيات عرضت نفسك لعقوبه رب العالمين ففهمت من هذا انك مسجون سجنا حسيا ومعنويا Qu'est-ce que le shir dit Il dit que. Regarde mon frère en Allah Azza regarde ma soeur en Allah Azza Tu es tenu pour compte, tu, es, tu devras rendre des comptes. Mais de plus, le prophète a rendu le regard parmi les types de fornication. Car le regard est la fornication des yeux. Et c'est pour ça que si tu... Hein, il a utilisé une belle expression en arabe qui dit C'est la bride. Comme tu, hein, tu tiens un cheval en bride. Par la bride. Et tu lâches la bride. Qu'est-ce qui va se passer hein? Et bien c'est ça qu'il dit le shérif ici. Si tu lâches la bride à ton regard et tu laisses aller où il veut. hein et bien qu'est-ce qui se passe Il dit le shérif. Et que tu ne fais pas attention. Regardez qu'est-ce qu'il dit le shérif ici. Et tu ne fais pas attention. Tu regardes n'importe quoi. Hein? Tu regardes ce qui est haram. Et bien il dit eh bien tu auras certes exposé, tu te seras exposé toi-même à la punition du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Fafihimta min tu auras compris de cela donc, chers frères d'Allah, chers sœurs d'Allah, que tu es emprisonné d'une prison matérielle et une prison immatérielle. Fa anta majjunul ma'nawiyan fa alayka antajjunajawarihaka anil haram. Tu es donc emprisonné d'une prison immatérielle. Tu te dois donc d'emprisonner tes membres de tout ce qui est interdit, de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. prophète alayhi wa sallam. Parce que peut-être un frère qui va dire ou une soeur qui va dire, oui, mais si j'ai vu quelque chose, je n'avais pas l'intention. j'ai vu, je n'ai pas regardé, j'ai juste vu. Mais la réponse est dans le hadith. Hein قال له انما لك الاولى وليست لك الاخرى او الاخر كما قال الشيخ اي معنى النظر المفاجئ الذي لم تتعمد فعله هذا يعفى عنك كيس كي الشيخ يسي يديك لو صلى الله عليه وسلم ادي علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب لو دوموندي سيغ نظر الفجاه الفجاه سي كو كوموندي انا الفجاه تا با فولو D'accord Il dit C'est-à-dire que ce qui t'a pris par surprise, tu as vu quelque chose, mais tu n'en as pas eu là L'intention, tu n'as pas eu l'intention de regarder ça, mais tu l'as vu. Qu'est-ce qu'il en est Il y a un hakum sharaï de ça. C'est quoi le hakum sharaï La réponse dans la, dans, la, dans la hadith du prophète Tu es excusé de ça. Regardez la, hein, la miséricorde d'Allah envers nous. ما يغارد لا سويت لكن اذا ابقيت البصر متواصلا لشغدي النظر كان ذلك على حسابك على حساب حسناتك وعلى حساب دينك فكن على حذر من ذلك شغدي مي سي tu laisse ton regard et tu continues متواصل كنتي تواصل انا غا كونتينوي ها garder le contact tu gardes tu restes regardé et bien qu'est-ce qui se passe À ce moment -là, hein, eh bien, c'est sur ton compte. Tu, tu, seras tenu pour compte de cela. On Et c'est sur le compte de tes, de tes bonnes actions. Seras sur le compte de tes hasanat. Et sur le compte de ta religion. Sois donc, hein, sur tes gardes par rapport à cela. Wa hada ala rijal wa Et ça, c'est pour les hommes et les femmes. Quand ta'ala. Ala, wa kulli al mu'minat yaqdzunna absaruhun gardent yaqfdunna furujahunna. Et dit aux croyants qu'elles baissent leur regard et préservent leur sexe. Le c'est pour cela que tu te dois d'emprisonner ton regard. Et d'emprisonner ton regard pour que tu sois sauf, sain et sauf. Que tu ne tombes pas dans un danger, que tu sois sauf de ce danger et de ce mal. والنظرة، يرياضي للشيخ يفابوختينيسوغ كي بالقيم رحمه الله غابوختيه. يدي، الدي... يوزالي فوا كيسك ان ركار يبوفيغ ان كيلكان، والعياذ بالله. والنظرة احيانا تؤثر في القلب اثرا بالغا، فربما اودت بصاحبها الى الهلاك. ذكر ابن القيم رحمه الله. الدي... دي لو ركار دي فوا بو لو اثرا بالغا. ه ن دي مانير اكستريم اي كي peux دي فوا امني celui qui il se regarde à la perdition à la perte اي دي ابل قيم رحيم ولا ادي الى راپورت ان رجلا كان بيته يشبه حمام من جابي باب بيته فجاءت امراه يوما تسال عن حمام من جابي فامعن النظر فيها ففتن بها فقال هذا حمام من جابي فادخلها الى البيت فلما شعرت انها اصبحت فريسه للرجل قالت يحسن بنا ان يكون عندنا شيء تطيب به انفسنا اي شيء من الفواكه ومن الحلوى فقال نعم الان فذهب لياتي لها بذلك وترك الباب مفتوحا فهي عندما خرج فرت بنفسها ونجت بنفسها فرجع الرجل فبحث عنها في البيت فلم يجدها وقد تعلق قلبه بها. Qu'est-ce qu qu Il dit qu'il qu a, a rapporté qu'un homme sa, sa maison, la de sa maison re ressemblait vous savez ce un un من femme un jour, elle est venue Hein? Chez lui, il était à la porte, elle lui a dit, Où est Hamma Minjabi? Et il l'a regardé, et il l'a vu, et il a été troublé par cette femme. Il a bien regardé la femme. Il l'a regardé de manière profonde. Hein? Et il a été troublé par cette femme. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Il a dit, C'est ici, c'est chez moi. Hein? Et il l'a fait rentrer chez lui. Et lorsqu'elle a compris, elle a senti qu'elle est devenue une proie, une victime de cet homme-là, hein, c'est une femme intelligente, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit, eh bien, il convient que dans ce moment-là, dans ce moment ici maintenant, eh bien, que tu amènes quelque chose qui, hein, qui va nous rendre la chose agréable. C'est-à-dire quoi Que tu soit des fruits, des, des pâtisseries, etc. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, maintenant, maintenant, je vais chercher ça, maintenant. Et il est parti, il a laissé la porte ouverte, et elle s'est comme il dit, elle s'est sans vie, elle s'est sauvée elle a sauvé sa personne. Lorsqu'il est revenu, il a cherché à l'intérieur de la maison, il ne l'a pas trouvé. Alors que son cœur était attaché à cette femme. Mais regardez ce que ça va l'amener à cet homme, à cette chose-là. Fakana daiman, yuraddidu, rubba qa'ilatin yawma aina ila كان دائما يردد هذا حتى عند الموت يقال له قل لا إله إلا الله وهو يقول ورب قائلة يوما تقول أين الطريق إلى حمام من جابي عيادا بالله من ذلك مات مفتونا شيخ يقول يكوتين الهيستوار الدي إلي غنتخى لما زون Et il a vu, comme on a dit, que Hein, il a commencé à chercher alors que son cœur s'était attaché à cette femme Et il répétait cette phrase en arabe Et un jour lorsque cette femme demanda où est, où, Quel est le chemin vers le Hamma Minjabi, Minjabi Il répétait cela tout le temps Jusqu'à sa mort et les gens lui disaient, dis-la, il a Allah. Et il disait, Wa rubba ila regardez le fitna. Tellement qu'en un regard, il est tombé, hein, comme on dit, follement amoureux de cette femme. Son cœur, il s'est attaché à cette femme-là. Fouti nabiha. Un regard, ya, et y Vous avez compris maintenant pourquoi le cher, dit qu'on doit emprisonner notre regard Hein Et par expérience, hein, j'ai vu des cas. J'ai vu des cas, il y

Fanadara il a til bint al Fafouti biha. ce Muadin, lorsqu'il montait dans ce haut minaret, dans ce minaret élevé, hein, et que cet homme chrétien, qui était, la, qui avait la maison juste à côté de la mosquée, il avait une fille, jeune, shabba, jamila, belle, hasna, hein, belle, hein, d'une beauté. Et lorsque le Muadin il mu montait, il lâchait la bride à son regard, il laissait son regard aller. Et qu'est-ce qui s'est passé Il l'a vu, il a été troublé par cette femme. Hein? Il s'est rendu à sa demeure à cette femme. Et il lui a parlé à cette femme. Et il a informé qu'il qu l'aimait, qu'il est tombé amoureux d'elle. Hein? Regardez, hein, qu'est-ce qu'elle lui a dit la n'accepte la J'accepte pas cela, je suis, je peux pas accepter cela, je peux pas agréer cela. Hein? Il dit alors, eh bien je te marie alors. Hein? Je me marie avec toi. فقالت, va voir mon père. Elle lui a dit alors, va voir mon père tu veux te marier avec moi. Son père c'est quoi? Un musulman, c'est un chrétien. Fa Abi, il est parti chez son père pour demander sa main. Qala, un un muslim. Hein? Regardez. Tu es un musulman, toi. Tu viens demander à ma fille, tu es un musulman. Hein? hein lui, ce n'est pas un musulman, c'est un chrétien. qala, Idan Atanasar. Donc je deviens chrétien. Ridda ya Billah. <muché> Apostasie. Laissez la religion pour une femme. Fatana rajoul » Rajul. il est devenu chrétien. وارتد عن دين الله إلى ليس لغلجة الله سبحانه وتعالى ثم صعد يوما من الأيام إلى إلى سطح ذلك الرجل النصراني يا جوري مونتي سور لو دو كريتيان قبل ان يتزوج افون كي سماري افيك ال الى جارت دي لي جاب اوستازي لي الاسلام فسقط من اعلى البيت فمات الي تومبي دي توا دي او دي توا اي لي مور اي لي مور كومون أبوستا كريتيا فما أبقى لنفسه المرأة وما أبقى لنفسه الدين إن غيا يبغي لنا غيا يسيبغي لنا لا فام لا غوليجيون فانظروا النظر كيف تفعل النظرة كيف تفعل بصاحبها عيادا بالله غيغت كما غيغت كيس كي بقى أمني أكوا سبقى أمني سلوي كي كي لو غيغت غالي حرام عيادا بالله يوم الشيخ شغفيش بخد الله عجل لكتخو

من هنا نقول شيخ لا تسئ لا يجوز الاختلاط لا في المدارس ولا الجامعات ولا الادارات ولا المؤسسات ولا البيوت لان نظره تسبب مهلكه فكم من شخص كان مختلطا بزوجه اخيه فاوقعه الشيطان مع زوجه اخيه ها شيخ الدي انو بازون نقول نو Et quoi que disent hein, les échos de Mouflissine Le frère, il est là avec sa, sa femme. Il a invité chez un autre frère avec sa femme. Ils sont autour de la table. Il y, y en a une qui fait au pied. Des histoires vraies, quoi, hein, elle fait du pied à l'autre. Il hein? dit Ah, il pas de problème. Et Tarak Ramad, il dit Non, tu regardes pas, etc. Et tu vois sans regarder. Il commence à philosopher, etc. Cher hein? Mokbili dit Celui qui croit qu'il pense que une femme, ça il est fou. Il n'est pas normal. Il hein? faut avoir de la jalousie, il ne faut pas être un de youth. Chérie, nous basons là-dessus que il est interdit de quoi D'être mélangé entre hommes et femmes, la mixité entre hommes et femmes. Que ce soit dans les écoles, ou dans les universités, ou les administrations et institutions, hein? ou les associations, ou les maisons. Car un regard peut amener à la perdition. Il a dit combien de gens qui hein, étaient mixés, fréquentaient ou mixés, yani qui étaient en présence de la femme de son frère. Et Shaitan l'a fait tomber dans le fait de faire le haram avec la femme de son frère. Regardez maintenant. C'est ça, hein? tout lié à l'iman. Il a dit, regardez ce qu'il dit le Cheikh ici. Les membres du corps sont en besoin d'être emprisonnés si l'individu veut, si l'individu veut, goûter les délices d'El-Jannah, du paradis. Ainsi que la main, elle se doit d'être emprisonnée de ce qui est illicite, illicite pardon, de ce qui est interdit le min al Le fait de toucher une femme étrangère, c'est-à-dire que tu ne pas partie de ta maharim, hein? pas ta mère, pas ta soeur, pas ta femme, pas ta tante, pas ta grand-mère, etc., hein. D'accord Eh bien, il t'est il est interdit de toucher cette femme, hein. Le musulman, il je serre la main, on n'est pas grave, on fait pas la bise, on serre juste la main, etc. On va voir qu'est-ce que le prophète, a me dit. Et on va voir c'est qui qui suit la sunna إذا الشيخ سافي <applause> باغتي دي شوز محرمات اخرج الامام الطبري الطبراني عفوا من حديث سلمان رضي الله عنه او من حديث معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن بمخيط من حديد في راس احدكم خير له من ان يمس امراه اجنبيه بروفيت صلى الله عليه وسلم لا

C'est-à-dire que le péché qui découle de toucher une femme étrangère et la punition qui découle de cela est pire que d'être percé dans sa tête, qu'un individu soit percé dans sa tête par une aiguille de fer. C'est à dire, Hey, Anna Avaballah de Minhada, que la punition d'Allah hein, est plus grave que cela. Wa Yahbi Suyadihi minya Yahud amalanas bil Bartil. Oh Anyana lâche al mindun min de mil muslimine. Hein regardez la fitna, etc. On parle ça, tout ça c'est lié, hein? Qu'est ce qu'il a dit? Qu'il tienne ses mains, qu'il retienne ses mains de prendre l'argent des gens de manière fausse. Et qu'il touche quelque chose parmi le sang des musulmans. C'est-à-dire qu'il fasse couler le sang des musulmans. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit la traduction du sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et le jour où l'individu, l'individu, le, 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 verra hein? ce qu'a préparé ses mains.

Que tu empêches, tu emprisonnes tes oreilles d'écouter ce qui est haram parmi les chansons, la médisance, le fait de rapporter la médisance à quelqu'un, hein, ce qu'on appelle namima. Et si tu, 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 tu te tais, hein, quand c'est fait et que tu te tais, eh bien tu t'associes avec lui dans son péché rien que par le fait de se taire. Hmm? Combien d'entre nous ce que là un frère fait riba sur un autre, il lui dit taqillah. Combien d'entre nous? hein ولاجل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا عاومل بالمعصيه فكان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها هذا حديث واضح سي بوغ سا كلو بروفيت صلى الله عليه وسلم celui qui est ان presence d'un péché qui est commis ها؟ اي بيان qui كيت ان presence de cela mais qui le déteste Et comme celui qui était distant de ce péché. Et celui qui est distant de ce péché, mais qui agrée ce péché, Et bien c'est comme s'il était présent. <muché> et qu'en est-il alors si tu es présent et que en plus tu agrées cela Et que tu acceptes cela Le péché sera alors plus grand. Hein? Et ici c'est la fin de la première khutbah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. ها في الانتدكشن ما با لا سي با الخطبه فنحن مامورون ان تحبس ان نحبس جوارحنا عما حرمه الله ما كي دو نو نو دو سكو الله عز وجل انتردي وان نحفظ فروجنا اي كو نو بريزيرفيون نو سيكس والاصل في الفروج الحفظ كي cette قاعده ايسي لا باز الاصل c'est anticonscrire les les يعني les sexe partie privée c'est le الحفظ c'est la préservation sauf ça rappelle pas قد افلح المؤمنون سوره المؤمنون ها يا الذين هم الفروج محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون Il hmm? y a pas de mal dans la religion, hein? On en profite pour dire ça, parce que peut-être des gens qui le font, qui c'est haram, les ils utilisent cette dalila du Coran pour dire que la masturbation est haram. Parce qu'Allah l'a dit, c'est interdit là-bas, c'est la préservation, sauf les épouses et les esclaves. Voilà, c'est clair. Cher, elle dit, et la base dans les, dans les parties privées, c'est la préservation. La tradition de la parole d'Allah dit. Hein? C'est comme ça que ça commence, là, la surah al-Mu'minun. Certes, hein? on réussit, hein? on atteint la félicité, les croyants, et puis Allah décrit les croyants. Et parmi leurs caractéristiques, et ceux qui préservent leur sexe, leur partie privée, sauf il, leurs épouses, ou ceux qu'ils détiennent comme esclaves. Alors là, ils ne seront pas reprochés, il ne sera pas reproché cela.

Elle dit que tu empêches de faire rentrer dans ton ventre ce que que tu empêches de faire rentrer dans ton ventre ce qui est interdit. Que tu ne fasses rentrer dans ton ventre que ce qui est autorisé et que tu ne fasses pas rentrer dans ton ventre ce qui est interdit ni même ce qui est douteux. harry car tu es emprisonné mon frère ma sœur. jean et celui qui est en prison, le prisonnier, il respecte les règles de la prison de la législation islamique. Et maintenant, si tu es emprisonné, si tu étais emprisonné dans une des prisons de ce bas-monde, et que tu cassais tes liens, ta chaîne, et que tu t'enfuyais qu'est-ce qui va t'arriver Elle est le سيصدر في حقك قرار أن يقبض عليك وربما أن بك حيا أو ميتا ها يا كوا إن لوا قرار une décision concernant un appel qu'il faut te rattraper فكيف بمن يخالف سجن رب العالمين La prison, les règles de la prison d'Allah, le Seigneur de l'univers. <t 'enternet> la prison immatérielle. <t 'enternet> Et il casse les chiens de la législation islamique. <t 'enternet> la, la, la punition d'Allah sera alors certes plus grande. <t 'enternet> Ce jour-là, Nul ne punira, ne sera punir, hein? comme il punit. Et nul ne sera garroté comme il garrote. C'est une traduction du sens, du verset. <t 'en> Parce que ces chaînes, hein, il y a des gens qui aiment pas être dans les chaînes, mais ces chaînes, elles t'amènent à quoi Ces chaînes, par lesquelles tu es emprisonné, par lesquelles tu t'es emprisonné toi-même dans cette dunya, dans ce bas monde, elle t'amène à, à un bonheur sans limite, parce que cette dunya, elle est éphémère. Ça, les gens oublient. Hein? Si vous pensez un petit peu, chaque fois que tu vas faire un penser, un péché, pense à Al-Jannah. -Al et tu vas voir si tu vas le faire. Ah, mais il faut connaître Al-Jannah. Ah oui, il faut étudier. Hein, qu'est-ce que, hein? des fois posez-vous la question, mettez-vous devant un miroir, hein, pour pas qu'on gêne les gens. Mets tes un miroir et dis voilà, qu'est-ce que tu connais d'El Jannah Qu'est-ce que je connais à propos d'El Jannah Qu'est-ce que je connais par rapport aux hommes d'El Jannah hein? Qui auront l'âge de 33 ans, qui auront les cheveux bouclés, qui n'auront pas de barbe. Hein? C'est rapporté dans. Il y a des de Bil sur la description des gens d'El Jannah. Hein? Il y a des chapitres entiers sur la description des gens d'El Jannah. Et les femmes d'El Jannah Et les hommes d'El Jannah Et comment El Jannah etc. Si on étudie ça, vous croyez qu'on va encore faire un péché peut-être qu'on peut va faire des erreurs. Mais tu ne vas pas vite revenir. Et tu ne vas pas essayer de t'empêcher à chaque fois de faire un péché. Si tu sais cela, hein? et de deux, si tu gardes ça devant les yeux, tu vas relativiser. Hein? Tu vois une femme dans la rue, tu penses à Hurlain. Tu vas encore la regarder en rue Hein Hein Ou tu vas voir un sourire, tu vois hein? Tu vas détourner le regard Hein est-ce que tu penses à la haur. Les gens croient que tu es fou, mais ceux qui sont fous. Tu souris parce que tu sais ce qui est un temps et ta'ala. Qu'Allah fasse partie de l'Al-Firdawzl. Sheikh il dit Hafidahullah ta'ala, car tu vas accéder à un bonheur sans limite. car maintenant tu es emprisonné d'une prison matérielle et immatérielle non, les frères vont dire mais c'est quoi la prison matérielle en on a compris le matériel, mais c'est quoi la matérielle la réponse elle arrive hein soyez patient et bien c'est quoi c'est que c'est que <tus> <tus> hein? Tu ne pourras... La prison matérielle, c'est que tu ne peux entrer dans le paradis tant que Allah ne te donne pas la permission. C'est ça ta prison matérielle. Hmm? Et maintenant qu'on relativise comme ça, je suis en prison. J'attends juste quoi La libération. Hein? Et je m'occupe de mieux que je peux dans la prison pour justement accéder à ce bonheur. Après la libération à ce bonheur del Jannah. Eh bien, les choses elles changent. Ça, la, la la Le bas-monde, c'est la prison du croyant. Si on compare, c'est une comparaison qui peut être faite. Il n'y a pas de comparaison possible. C'est une comparaison qui peut être faite dans ce bas-monde et le Jannah. Hein il n'y a pas de comparaison possible. Et c'est ça qui fait la différence entre le croyant et le kafir. Toutes ces choses-là, nous, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi Jannah. Lui-là, il veut tout ce qu'il peut faire, il le fait. On ne vit qu'une fois. C'est ce que tu crois من طبيعته أن تعتريه الهموم والأحزان والآلام والمصائب والأمراض والأوجاع والجوع أمور كثيرة وربما لا يمر يوم إلا والآلام المعنوية والحسية تدخل فيه كار في الهموم et par la tristesse et par les Les douleurs, les peines, et par la faim. Hmm? Des fois, des frères, des frères pourraient rien déprimer. Hein? Une chose au Dunia qui ne va pas... Le château de cartes, il s'effondre. Hmm? Ou le château de sable, pour ne pas faire référence aux cartes. Hein? D'accord Ah, ici, Dunia, ça, c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce qu'il dit le cher ici eh bien, au moins, il y en a plein de choses. Peut-être qu'il ne passera pas un jour sans que tu sois touché par les douleurs matérielles et immatérielles. Parce que des frères sont touchés par des douleurs immatérielles. C'est pas quelque chose qui te fait mal. C'est une douleur immatérielle, et le savent pas. Hum? Et je vous le dis, c'est un appel de ma part. Et je vous assure que je reçois beaucoup de téléphones et de textes, de messages. Il y a un gros problème psychologique chez beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de problèmes de dépression nerveuse. Des fois qu'ils le savent et des fois qu'ils ne le savent pas. Hein? C'est quoi ce sabab Cheikh Saadi, il n'a pas un livre qui s'appelle Al-Wasa'il Moufid, Al-Il-Hayat-Il Hein? Les moyens, comment on appelle ça, moyens bénéfiques, c'est ça hein? Pour à, à, arriver hein? à la vie heureuse. Lisez le livre, le livre il est traduit en français. Il n'y a pas de bonheur sauf il a le sunnah. Et toute la sunnah. Et je vous assure c'est de plus en plus. Que ce soit chez les anglophones ou les francophones. De plus en plus. Que ce soit en Angleterre ou ailleurs en Europe. On hein? des emails, des cadres, des choses, hein? les machins qu'ils là. Alla, allah bien allah, y a allah qui sait ces problèmes hein? C'est pas normal, il y, 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 y a Sunna, Salafia Il hein? manque de dhikr, manque de il manque de. Hein? tu es dans la tu manque de taqwa quand, quand tu, Comment tu peux te salifier et te déprimer hmm? Il y a une question qui a été posée à Cheikh al Une femme qui dit, regardez qu ce qu'elle dit. Elle dit, Cheikh, je ne me sens pas bien, je suis déprimé. Hein, C'est le sens de la parole. Et ma poitrine, elle est compressée, etc. Je ne me sens pas bien. Et pourtant, je fais toutes mes obligations. Hein? Cheikh al a dit, moi, ce que je sais, ce que je sais, c'est que celui qui est comme ça, c'est parce qu'il a fait un péché. Regardez hmm? la femme, elle croit, mais ce qu'il a qu'elle fait ses obligations. Hein? Elle croit que elle est ok, mais elle sait pas que quoi que Cheikh il est ce qu'il est en train de lui montrer, que ce qui la touche, c'est ce qu'elle, elle a fait. Hmm? Donc on continue ici. Il dit, cher, havida Allah. ابيلا نيا با ان جور ساك سي دولوغ ماتيريال اي ماتيريال اما الجنه من دخلها ليعتريه شيء من ذلك اللهم ارزقنا الجنه اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى كاسكي دير الشيخ يدير طونديكو البارديل جنه هاي سي بور كون نبال الجنه جنه باسكو الجيم والنون سانديك الجن جنة الجنه دقق الجنه من دخلها لا يعتريه شيء من ذلك سكية qui est au paradis, eh bien tu ne seras touché par aucune chose de ces choses-là Aucun douleur, aucun souci Patiente, la vie elle passe Chut. Et après c'est quoi? الجنه ان شاء الله شيرين ديه ولد هذا الانسان المؤمن حتى لو بسط الله عليه الرزق car quoi qu'Allah ait donné comme risque, des fois les frères, ils font tijara, ils ont beaucoup d'argent, etc. On a vu certains frères qui ont égaré à cause de cela, voilà billah, hein. font des courses, des compétitions. À celui qui, hein, il va en tel pays, en tel pays. Moi, je gaspille 10 000 euros par jour. Toi, tu gaspilles 15 000 euros par jour, hein, etc. Hmm? Alors qu'au début, c'était ni al-hijra, en fait, tijara, etc. D'accord Et puis, ils ont changé. Eh hein? bien, quoi Il dit, chère, même si Allah, Azza wa t'a donné beaucoup de risques, il a élargi ton risque, eh bien, le mu'min, il est considéré comme toujours en prison par rapport à l'Jannah. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a l'imam Ahmad, regardez ce superbe hadith. إلي صحيح الاحاديث الصحيحة 3222 تقول إن أصلاحني... شاء الله والترمذي وابن أبي الدنيا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والارض يعني لو أن الله أمر بقطعة من الجنة صغيرة من الجنة يحملها ظفرك بدا على أهل الدنيا لتزخرفت له خوافق السماوات والارض يعني تتزين بجماله السماء والارض إذا لا تقارب إذا أنت مجون أنت مجون أنت مجون فكن أديبا في السجن حتى يأذن الله لك بالخروج حديث غاب أختي الإمام أحمد Rahimahullah, l'imam Tirmidi, et Ibn Abi Dunya, d'après un hadith de Sa'abdi Abi anha. qui a dit que le prophète a dit si, C'est le sens du hadith, on va traduire le sens du hadith. Comme l'a dit le cher, il a expliqué, on va traduire l'explication. Il dit Si Allah donnait l'ordre qu'une petite portion du jannah de quoi juste être supporté par un porté par ton ongle Hmm? Soit hein, une petite portion, juste hein, de la taille de quoi de ton oncle de apparaissait aux gens du bas monde et eh bien cela embierait la terre et les cieux. il dit Tu es emprisonné, tu es emprisonné, tu es emprisonné. Sois correct dans ta prison. Kun et un bon comportement dans ta prison. Jusqu'à ce que Allah te permette d'en sortir. Fanahnu sujana ya ikhwata min jannah. Nous sommes en oh frère en Allah, oh frère en Allah, oh sœur en Allah, nous sommes emprisonnés si nous faisons partie des gens du paradis. Ad-dunya jannatun bimukabil jahannam. Wa man dakhala al jannah fa ad-dunya sijnun bimukabil al-janna. Nous allons Allah wa ta'ala. Je répète, excusez-moi. Hein et celui qui réside en enfer, et eh bien pour lui le bas monde est une jannah, ou al'adoubillah, qu'elle nous en préserve. Ce bas monde est un paradis en opposition à l'enfer. Et celui qui rentre au paradis, et eh bien ce bas monde est une prison. Par rapport à jannah, par rapport au paradis. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جوارحنا إلا في خير وأن يجنبنا كل ضير وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. إدي الشيخ الترندون دعاء. il الله préserve nos membres hein, de toutes choses haram et qu'il nous préserve اهدنا وذقرت من كل من كل طروب من كل او اللهم امين وصلى على نبينا محمد وعلى اله وسلم والله اعلم وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك